Elles sont 32 équipes issues des quatre coins de Bobo Dioulasso qui prennent part à cette deuxième édition de BF1 Foot Bobo. Des équipes de civils et de forces de défense et de sécurité. La compétition est lancée ce 27 juillet par la directrice régionale de BF1 Ouest, entourée de quelques autorités administratives et coutumières de la commune. La population de la cité de Bobo, c'est déjà de leur dire merci de nous suivre, merci car cette initiative est justement pour la jeunesse, pour les occuper sainement et leur donner ce savoir de partager les choses ensemble. Voilà, et de s'occuper sainement surtout, c'est très important, et de rester unis. Ben, on leur demande de jouer positivement, d'avoir du fair play et de rester positif jusqu'à la fin. Pour ce match d'ouverture, l'équipe de la presse sportive de Bobo en plan croisait les crampons avec celle de la CRS en bleu. À l'issue d'un match nul et vierge au terme du temps réglementaire, les deux équipes vont se départager à la séance des tirs au but. L'équipe de la presse s'impose sur le score d'un but à zéro. L'objectif de BF1 Foot Bobo est de réunir la jeunesse autour du ballon rond en vue de promouvoir le vivre ensemble. Voilà, l'objectif il est le même hein, comme celui de la première édition, c'est de rassembler donc cette jeunesse de Bobo Dioulasso autour du ballon rond. Nous sommes en vacances et vous savez, parfois la jeunesse est parfois livrée à certaines choses. Donc le rassembler autour donc, d'un tournoi de football, ça permet quand même à ces jeunes-là de pouvoir se divertir, pouvoir aussi s'occuper. C'est aussi une manière de créer une certaine collaboration entre les populations et puis les FDS. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs équipes FDS qui participent dans ce tournoi. Et ce soir, donc pour l'ouverture, on a assisté à un match entre les journalistes et les FDS. Je pense que c'est un bon match et nous sommes satisfaits donc du lancement officiel de ce tournoi-là. Le comité d'organisation invite la population bobolaise chaque soir au quartier Belleville dans l'arrondissement 7 de Bobo Dioulasso pour vivre ces moments sportifs. BF1 Foot Bobo, c'est aussi une opportunité pour les entreprises et institutions de faire des affaires. Elles sont donc invitées à joindre leur image à ce rendez-vous sportif.